Signature et échange de parapheurs entre le ministre de l'Enseignement secondaire, Technique et de la Formation professionnelle et Amnesty International Bénin. Ce geste officialise l'engagement des deux parties à travailler de concert pour l'amélioration des conditions de formation et le respect des droits humains en milieu scolaire. Cette convention nous donne la possibilité de pérenniser nos actions. Habituellement, nous avons une autorisation annuelle et à la fin de chaque année, nous sommes obligés de renouveler cette autorisation-là pour pouvoir mener nos actions dans les collèges et lycées. Mais cette convention couvre trois années d'activité, ce qui va permettre à Amnesty International Bénin de réfléchir sur des activités ou des projets, je vais dire, à long terme. Que ça ne soit plus des projets à courte durée. En dehors des obligations annuelles qui nous étaient délivrées, nous obtenions l'appui du ministère, des directeurs départementaux et des directeurs des collèges pour les développements normaux. À notre requête et avec l'avis favorable de votre autorité, une personne de contact, un point focal dans la personne de M. Emmanuel Koufi-Bahou, a été désigné pour mieux suivre les interactions avec les établissements partenaires et servir de pont entre Amnesty International et notre ministère. Cela nous a facilité davantage les activités depuis bientôt 3 ans. À présent, il faut poser le dit, M. le ministre, nous faisons un pas en avant avec la présente convention de partenariat signée pour contribuer à l'effort gouvernemental d'éducation aux droits humains dans les espaces scolaires, collèges, lycées d'enseignement et centres de formation technique et professionnelle et auprès de toute la communauté scolaire. L'objectif de ce partenariat est de renforcer un environnement éducatif favorable à toutes et tous et faciliter une connaissance accrue des droits humains aussi des devoirs de scolaires aux acteurs du système éducatif, notamment les élèves, les personnels administratifs et enseignants, les parents d'élèves, les gestionnaires de cantines et autres personnels des établissements d'enseignement secondaire. Notre engagement à travailler à vos côtés pour justement que ces objectifs nobles soient atteints, cet engagement est sans limite. Le document que nous avons préparé ensemble et que nous avons signé, ce document est une illustration de cette volonté ferme d'aller de l'avant. Nous travaillons dans un gouvernement qui a pour priorité l'excellence en milieu scolaire. Nous travaillons avec un chef, le président Patrice Talon, qui a pour grande priorité l'excellence en milieu scolaire et cela requiert beaucoup de choses. Ce n'est pas une seule mesure qui permettra de tout régler, c'est un ensemble de mesures prises en synergie et de façon méthodique. C'est cela qui permet donc d'avoir une école efficace. Il a été présenté au ministre quelques réalisations de Amnesty International dans les collèges et lycées du Bénin. Au cours de cette soirée, nous avons présenté au ministre quelques réalisations que nous avons eu à faire en milieu scolaire sur les questions relatives à l'éducation aux droits humains dans les collèges et lycées que nous parcourons habituellement. Nous avons présenté également à l'autorité toutes les autres actions que nous menons pour que l'éducation aux droits humains soit vraiment utile et efficace dans la vie de tous les citoyens parce que, nous le savons, les droits humains sont transversaux. Ce partenariat renouvelé entre le ministère de l'Enseignement secondaire, Technique et de la Formation professionnelle et Amnesty International Bénin promet de porter des fruits significatifs pour le bien-être des apprenants et des professionnels du secteur. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde, nous faisons de votre information
l'actualité du moment.